manche. Contre main également, Dirk Fabric. Avec le numéro 9, le multiple champion du monde, Gabriel. Bernd Reiner, le numéro 10. Stelag Stederwin, le numéro 13. Paul Hurley, le numéro 4, 17, pardon, et Bauer. Non, pardon, c'est Paul Hurley seulement. Dernier pilote, Gabriel à l'intérieur. Attention à Gabriel, il adore Marmande, il arrive parfaitement préparé et en musique. Gabriel, 5 points, 5 points. Bernd Reiner, 4 points, 4 points pour Reiner. 3 points pour Dirk Fabric. 3 points pour Dirk Fabric. 2 points pour Paul Hurley. 2 points for Hurley. And 1 point for Christophe Dubernard, the French. Malheureusement, Stederwind, unlucky Stederwind, no point. Alors, attention, parce que celle-là, d'avoir la confrontation entre un certain numéro 3, survolté, monstrueux, Mathieu Trésarieux. Face à lui, Enrico Jaloska, Theo Pfeiffer, Stéphane Trésarieux, Yannick De Jong et Bauer. Il y a un coup à jouer là pour Mathieu et Stéphane. Il y a un coup à jouer pour Mathieu et Stéphane. Surveiller l'intérieur avec le numéro 3, Mathieu Trésarieux, Stéphane et lui très bien placé également. Enrico Jaloska à l'extérieur n'est pas à négliger. Thank you.
pour Bauer. J'aime dérailler pour Bauer. Et Mathieu Trésorieux qui est en deuxième position. Mathieu Trésorieux deuxième. Et qui attaque à l'intérieur en Mathieu. Mathieu Trésorieux à l'intérieur de Mathieu Trésorieux. Je n'entends pas Marmande. Je n'entends pas Marmande et on dira jamais. Et Janoska qui ne faiblit pas. Janoska qui a tout essayé. Mathieu Trésorieux en route vers la finale. Mathieu Trésorieux au très vite dernier tour. Coton est en partie numéro du monde. Ah, quel dommage que c'est pas le micro sur la volée. Dernier tour, mesdames et messieurs, victoire de Mathieu. Première victoire tricolore ce soir avec de telles conditions. Un véritable tour d'honneur. On va faire un petit break musical. Alors là, vous lui devez ça. Mesdames et messieurs, regarde bien Mathieu, le public de Marmande qui va offrir à Mathieu le premier cadeau de la journée. Je vais vous demander de lui faire un cadeau qui me tient particulièrement à cœur. Mathieu, reste avec nous, regarde bien Mathieu. Ça n'est pas arrivé encore ce soir. Regarde bien la holla de Marmande pour Mathieu. Le tour complet. Attention. Go. Allez, la holla pour Mathieu. Relevé a priori, on va être honnête, mais pour le moral, c'est bon. Hein. Pour le moral, ça fait du bien, c'est sûr. Mais le principal là, maintenant, c'est de faire les bons starts et de partir. Pas mal, non? Ouais, ça va. Il est confiant, il est bien. Mathieu Trésorieux, première victoire. Hé hey Nicolas, ils sont pas forts, j'ai même pas eu besoin de les lancer, hein. Ils sont partis tout seuls, ils sont exceptionnels. Mathieu Trésorieux, 5 points, 5 points, 4 points pour Janoska, 2 points pour Piper, 2 points pour Piper, 1 point pour Stéphane Trésorieux, 3 points pour Yannick De Jong, 3 points pour De Jong et aucun point pour Bauer. Le numéro 15 impressionnant tout à l'heure et Charlie Sanders, régulier, constant, comme disent les Anglais, consistant. Well done boy.
ce moment on ne voit pas Ondrazic, Pavel Ondrazic apparemment. Mike Ford qui attaque et qui prend la tête. Tony Kroger, il est chaud comme la braise. Hein. Dans un trou de souris. Mike Ford qui n'a pas le laissé partir. Kroger, Mike Ford. Allez, on pratique à creuser un petit écart sur Gabi. Ah, c'est là, Kroger, Mike Ford, on pratique. C'est du lourd, c'est du lourd. Belle confirmation de Kroger. Quatre Gabi, et c'était chaud. Hein. Quatrième position, Charlie Saunders. Retrouve avec Jérémy Diraison, le malheureux pilote qui a glissé tout à l'heure, qui s'est fait absolument pas mal. Bon, en tout cas, il est au départ de cette manche trophée vente populaire. On retrouve également le numéro 6, c'était côté Scott Campos. Lui aussi très jeune, Cocotte est là le 11. Le numéro 7, Henry Lonestein. Le numéro 2, James Colvin. Le numéro 9, Jérôme Lespinas. Rapidement, bravo au commissaire qui est en train d'obstiner un bon chrono lui aussi. Le petit Jérémy, c'est 17 ans que l'on va retrouver en Croatie la semaine prochaine dans une épreuve internationale avec tous les Français, enfin les bons Français en tout cas. Quel talent Jérémy, quelle course magnifique de Jérémy Diraison. Allez Jérémy, tu résistes à l'intérieur là-bas. Lespinas, Cocotte et Jérémy Diraison. Super Jérémy. Hey Colvin, Colvin que quatrième qui se fait taxer par Jérémy Diraison. Et bien les garçons, chapeau bas. Lespinas, magnifique, magnifique Lespinas, Cocotte second. Alors, 5 points pour Lespinas, 4 points pour Cocotte, 3 points
pour Jérémy Liraison, 2 points pour Shane Colvin et un petit point pour confirmation de l'arbitrage et la direction de course. Un petit point pour Dossard numéro 16 sur la grille de départ, on retrouve le redoutable Ramon Stanek. On a Pompon, Mathieu Dupont avec le numéro 10. On a également le dossard numéro 18, René Van Mille. Et attention également, c'est le dossard numéro 12. Impressionnant tout à l'heure, Maxime Mazot. À l'extérieur, on retrouve Boris Piscinato et le redoutable britannique Lewis Doulam. Lewis Doulam, le numéro 8 à l'extérieur. S'il emporte encore une fois. Alors bien évidemment, vous pouvez tous comptabiliser tout ça et il ne fait pas l'ombre d'un doute que Lewis Denham sera dans la bonne finale car il a 5 points pour Lewis Denham. 5 points. 4 points pour René Van Wiel. Ah, il est ovationné Lewis. 3 points. 3 points pour Matt Dupont. 2 points pour Ramon Stanek, c'est ses premiers points je crois. 1 point pour Boris Pizzinato et aucun point pour Maxime Mazot alors qu'il avait fait une très belle manche tout à l'heure. A tout de suite. Championnat du monde avec à l'intérieur le star numéro 17, Paul Hurry. Mathias Prodier, le numéro 1, là-bas à l'intérieur. Pierre Fabric, le néerlandais, numéro 6. Jonas Kilmacorpi, le numéro 8. Bernd Deiner, le numéro 10. Et bien évidemment, Stéphane Kapp qui nous doit une revanche.
Fabric en deuxième position, on reconnaît la machine rouge. Robert Timer, toujours aussi généreux, toujours aussi efficace. Allez, le commandement, alors que Fabrice est toujours en deuxième position. Fabric, rien n'est fait. Attaque à l'extérieur, à l'intérieur de Fabric. Rien n'est fait, Fabric qui passe. Fabric qui m'a corpille, Tyler. Oh là 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 là, quel coup de fusil dans le dernier virage. Et on avait dit rien n'est fait, hein, je vous le rappelle, juste à l'entrée du virage. Fabric, qui m'a tenté. Dirk Fabric, 5 points. Fabric, 5 points. Et les applaudissements pour Dirk Fabric. 4 points pour Jonas Kilmacorpi. 4 points pour Kilmacorpi. Bernd Diner, 3 points. 3 points. On retrouve également avec 2 points maintenant Mathias Kroger, 2 points. Paul Hurry, un petit point seulement. Un peu décevant Paul sur cette mais c'est vrai qu'il a passé de très longs mois en dehors du circuit et ceci explique peut-être en partie cela. Donc quelques respirations musicales et on se retrouve pour la manche du mondial suivante. Il nous reste plus que deux manches de mondial avant les finales. Alors, on va regarder dans cette tranche 11, on retrouve Christophe Dubernard a priori, on retrouve également Enrico Janoschka. Et mais il y a Gerblis aussi. Hein. Il y a quand même Gerblis qui est là, je crois, hein, donc c'est pas gagné hein, quand même. Stéphane Césarieux avec Gerblis, Schneiderwind et enfin Power. Qui a priori ne se mêlera pas à la lutte pour la victoire. Il y a un coup à jouer pour Stéphane Césarieux, mais il y a quand même un gros morceau à croquer, à avaler là, avec Gerblis, qui n'est pas un garçon qui a le sens de l'humour dans le domaine. D'autant plus que compte tenu des difficultés de Stéphane 4 ce soir, eh bien, Gerblis est en train de jouer un très très joli coup au championnat. Encore réussi son départ. Stéphane Césarieux a une très bonne ligne là-bas à droite. Il revient comme un boulet sur le ring. Il a eu le 13, qui est tombé 5 points avec Janoschka et Stéphane Césarieux qui ne perd pas une longueur sur Gabriel. Allez, Marmande! Allez, Marmande! Rien n'est fait, rien n'est perdu. Allez, Gerblis, qui sait que Stéphane Césarieux est un adversaire redoutable. C'est pour ça qu'il aura lancé la cadence. Ah, c'est
bien fait là. Attention, le retour de Jelushka. Le retour de Jelushka dans le dernier tour. Gabriel ne fait pas la bonne erreur. Le carton plein. Le carton plein. Qui réalise une excellente opération. Allez, encore une fois, une super manche de Stéphane Trésarieux, Gallery. Winner, 5 points. 5 points pour Yannis. 4 points pour Stéphane Trésarieux, the French. Stéphane Trésarieux, 4 points. 3 points pour Enrico Janoszka. 3 points pour Janoszka. Zdenek Schneiderwind, qui lui marque 2 points. 2 points pour Schneiderwind. Christophe Desbernard marque encore un point. Il est régulier, Christophe. Il aligne les points de façon constante. Et aucun point pour Bauer. No points. Bauer, qui est lui aussi régulier, constant, c'est-à-dire qu'il ne marque jamais de points. Dernière manche. Alors attention là, je vous demande toute votre attention justement. Voici la dernière manche, numéro 12. Andrew Appleton, le numéro 16. Yannick de Jong, le numéro 14. Sir Schussbar, le numéro 12. Theo Piper, le numéro 7. Len Phillips, le numéro 5. Et Mathieu Trésarieux, le numéro 3. Qui a encore un coup à jouer dans celle-là. Allons-nous assister à la deuxième Olna de la soirée. Alors là, je ne vous demande plus rien, hein, si c'est le cas. Vous allez l'accompagner dans son tour d'honneur, hein. Dans son tour d'honneur. Allez, on croise les doigts, on ne peut pas lui porter la poisse. Le voilà Mathieu, le voilà Mathieu. Il tourne comme un lion en cage. Ben Philippe à l'intérieur et on fait une belle chute de la position Mathieu. Il est à l'extérieur, là-bas, il y a beaucoup d'adhérence, il y a beaucoup de grip. Piper au centre. Personne n'ose le doubler. Il a marqué la course de son empreinte. Marmont est debout. Mathieu Trésarieux est en finale avec une possibilité exceptionnelle au championnat du monde. I just wanna be with you. No matter what they say. Alors, confirmation des points dans un instant, Nicolas est parti en courant, bon ben, je
je vais me rapprocher de la direction puisque personne ne veut m'officialiser les points, c'est pas grave, je vais les avoir quand même. Mathieu Trésarieux, 5 points. Pyfunch, Piper devrait marquer 4 points me semble-t-il, voilà. 4 points pour Piper, 3 points pour Andrew Appleton. On aura également 3 points pour Appleton. 2 points pour Glenn Phillips. 1 point pour, vous l'avez compris, Yannick De Jong. Et aucun point pour Zir Schussbach. Eh bien mes amis, le moment est venu maintenant de vous offrir, et vous l'avez bien mérité, une petite respiration. On va vous donner une dizaine de minutes environ et nous nous retrouverons pour la finale des espoirs, la finale C, la finale B et bien évidemment la finale A. Réjouissez-vous, la fête ne fait que commencer, à tout à l'heure. Également dans cette finale, René Van Wiel, Pavel Ondrazic, le numéro 1. Et dans la finale, il y a une seule finale, vous le savez donc, pour les espoirs, Jérôme Lespinas, Steve Bradford et Tony Kroger. Je vous rappelle que cette finale est simplement comptabilisée en points et que c'est le total de points accumulés sur toute la soirée qui déterminera le classement général final. En ce qui concerne Louis Denham, ce devrait être le vainqueur de la finale qui l'emporte également en points en général. Comme il a tout gagné, il n'y a pas d'incertitude dans ce domaine.
Just a few words about this new win. You won all the races you did today. Perfect weekend. C'est un, vous avez gagné toutes les courses auxquelles vous avez participé. C'est un week-end parfait. I couldn't have asked anything more than that. I like to thank the crowd for being fantastic. Je voudrais simplement dire que c'est un beau succès, mais que je voudrais remercier le public exceptionnel qu'il y a à Marmande. C'est vraiment une atmosphère extraordinaire. Thank you, Louis. Louis Denham qui a, vous l'avez compris, apprécié l'accueil de Marmande. Et on va retrouver la finale 7 tout de suite. Alors, voici, là on va faire un petit break musical pour annoncer la finale C. On va retrouver Christophe Dubernard dans la finale C. Bauer, Zirkzhusbar, Schneiderwind et le leader du championnat du monde, Stéphane Kat, qui sera au départ de la finale C. C'est une énorme désillusion. Le titre mondial est en train de lui échapper. Alors qu'il était leader ce matin, je vous le rappelle, Paul Hurry sera lui aussi au départ de la finale C. À surveiller donc Dubernard, Schusbar, Kat bien sûr, qui va essayer de terminer sur un coup d'éclat. Et là-bas, Louis Denham qui est salué par la colonie britannique. Congratulations to your spirit, British fans. You did a great show too. Thanks a lot. And we hope to see you next year. La finale B sera composée des pilotes suivants. Glenn Phillips, Theo Piper, Stéphane Trésarieux en finale B, De Jong, Enrico Janoschka et Mathias Kröger. Évidemment, ceux qui restent, vous les retrouverez tout à l'heure en finale A, mais cela, c'est une autre histoire. Avec son dossard numéro 12, Schusbar, a priori, on va vérifier ça tout de suite. Alors, à la place, on va faire le sixième de la course, Bauer, cinquième de la course, Christophe Dubernard, Schusbar, quatrième, troisième, Paul Hurry, deuxième, Snedex Niederwind et Stéphane Kat, vainqueur. Ouh, mais elles ont changé de chorégraphie, les filles. We'll be right back.
retrouvons tout de suite les pilotes de la finale B avec Glenn Phillips dans le couloir numéro 1, Theo Pfeiffer dans le 2, Stéphane Trésario dans le 3. De points aussi. Alors, les places. On retrouve 6e, Matthias Kroger. 5e, Cliff Theo Pfeiffer. 4e, Jen Phillips. 3rd, Enrico Janoszka. Second place, Stéphane Trésarieux. And winner, vainqueur, De Jong. Alors, finale A, la voilà. Alors là, on fait un tout petit break musical d'une seconde, s'il te plaît. Là, on va breaker. Parce que, mesdames et messieurs, voici la liste, la composition de la finale A, dernière course de la soirée. Le titre mondial va se jouer dans quelques instants. Peuvent être couronnés à l'intérieur. Nous allons retrouver Gerd Ries. À ses côtés, juste à ses côtés, son principal adversaire, son unique adversaire pour le titre mondial, Kilma Korpi, qui sera dans le couloir voisin. Dirk Fabrik sera dans le couloir jaune. Andrew Appleton sera totalement à l'extérieur. On aura à l'intérieur, Appleton. Bernd Deiner sera au couloir numéro 2.
et en plein centre de la ligne de départ, mesdames et messieurs, la dernière chance de victoire pour Mathieu Trésorier. À surveiller le titre mondial entre Gabriel, numéro 9, et Kylian Corpi, juste à ses côtés. Mais alors que ces deux pilotes doivent se surveiller, doivent se marquer, il y a un coup à jouer pour Mathieu Trésorier et qui pourrait d'ailleurs en profiter pour se rapprocher au classement général final du championnat du monde 2007. Ah, il est tendu Mathieu, il est tendu. Allez, encouragez-le là, tapez dans les mains pour Mathieu. Il vous écoute Mathieu. Il est tendu. Il est tendu comme un arc. Il m'a campé. Il soigne sa ligne. Et Gerbris n'est pas aussi à l'aise que l'on pourrait le croire, même s'il a une super position à l'extérieur. Allez, Kylian Corpi s'en va aussi. Dernière course de la soirée, avant, je vous le rappelle, la remise des prix, où vous pourrez d'ailleurs être récompensé de quelques baptêmes de l'air. Nous en avons parlé en début de soirée. Vous en aurez la primeur durant la remise des récompenses. Attends qu'ils ont du méthanol, ils tournent. Et vous sentez la pression là? Est-ce que vous sentez la pression du titre mondial? Rien n'est joué. Est-ce qu'il y a des supporters de Mathieu Trésorier ici? Si vous la voulez la victoire, il faut aller la chercher. Est-ce que vous êtes prêts? Qui s'est envolé en ayant accroché la palissade extérieure. Alors, évidemment, on va tout de suite évidemment attendre. Et voilà, comme nous l'annoncions avec un peu d'audace il y a quelques secondes, il est debout, Dirk Fabric, et il est salué par tout un peuple ici à Marmande. On adore ce combattant, c'est un guerrier, lui aussi c'est un vrai combattant extrêmement régulier mais aussi particulièrement généreux. Alors ça c'est la bonne nouvelle, on reste en musique et on attend quelques secondes encore. Faire tous les contrôles nécessaires, on voit Stéphane Trésorier qui est arrivé lui aussi pour prêter main forte à la famille. On va s'enquérir de l'état de forme. On va pas déranger Mathieu. On salue le retour de Dirk Fabric. On a sorti une soufflerie pour refroidir la mécanique. Très rapidement, on a extrait Christophe. Le carter de la transmission primaire sur la machine de multiples champions du monde et on ne néglige aucun détail en venant notamment renforcer la fixation des carters et
Mathieu, on l'entendait, allez Mathieu. Ah, ils y croient dans les tribunes. Et ils ont raison d'y croire. Alors vous connaissez la stratégie, hein. C'est pas lundi, il faut que Mathieu sorte encore un peu mieux pour aller fermer l'extérieur. Il va pas y avoir de courant d'air là-bas, hein. Un trou de souris. Voilà ce qu'il a l'intention de laisser à Gabriel. Championnat du monde de Grass Track 2007, le rideau tombe sur la saison ici à Marmande. Avec un trou de souris, nous l'avons dit, mais c'est ainsi l'écart qui sépare Gerd Rys de Kilmacampé. Et là, Kilmacampé qui va tenter le tout pour le tout. Et il est vrai que Mathieu Trésarieux pourrait peut-être être un allié de choix pour Kilmacampé. Même si c'est évidemment la dernière de ses préoccupations. Championnat du monde de Bastra Christian Normande. Le départ dans quelques secondes. Attention. Great show! Unbelievable!
Allez, vous voyez Stéphane Cap qui s'est installé du côté de la ligne de départ pour choisir sa trajectoire. Very special, issue, non? Sorry? It's a very special event. Oui, it's not easy to be concentrated now after the race. Voilà Stéphane Cap qui voit avec le sourire malgré tout, hein, qui nous annonce que. C'est quand même particulier, hein. C'est quelque chose auquel on ne pensait vraiment pas. Et je ne suis pas sûr que Mathieu soit aussi serein non plus, parce que malgré tout, on a gagné, ouais, c'est super, et puis tac, on remet le métier sur l'ouvrage. C'est parti dans quelques secondes. Les deux pilotes ont déjà chaussé leurs lunettes. Le starter est en position. C'est effectivement assez solennel. Je tiens à vous rappeler que jamais dans l'histoire moderne de Marmande, un Français avait gagné une finale de championnat du monde. C'est fait. Et jamais un Français n'a terminé troisième du classement général final du championnat du monde. Ce n'est pas encore fait, mais vous pouvez le faire vous aussi. Personne autour, là. Personne autour, s'il vous plaît. Personne autour, merci. Et il ne se quitte pas, regardez. Là, plein centre, 200 numéro 3. Voilà, on retrouve Stéphane Catopo et Mathieu qui vient le rejoindre. Il est bien, Mathieu, il est cool, il est zen. La pression est sur les épaules de Stéphane Kat, qui était leader du championnat du monde ce matin, qui ne sera peut-être pas sur le podium ce soir. Attention, mesdames et messieurs, dernière course de la saison. Qui file la
la balle est tombée sur le chien. Stéphane Kat est littéralement assommé. Stéphane Kat est littéralement KO debout. La première d'un Français dans l'histoire du Grass Track. Allez, il faut rester concentré sur ce dernier tour à l'entrée du prochain passage au bar. Allez, on va vous écouter, on va vous écouter. Alors que Kat qui fait la faute, Kat qui fait la faute, qui a eu un problème mécanique, qui a cassé la transmission. Mesdames et messieurs, dernier tour, dernier tour, dernier tour, dernier tour, dernier tour. Il va même mettre un tour à son adversaire du jour, qui a été malheureusement éliminé, mais après avoir été écrasé, éclaboussé, atomisé, totalement détruit, troisième du championnat du monde de l'Ukraine. Jean-Pierre Mougin, Jean-Pierre Mougin, le président de la Fédération française. Jean-Pierre, vous êtes un homme comblé. En vitesse, les résultats sont là, en motocross, en trial, en enduro. Et il ne manquait plus que le Grass Track. Et bien ça y est, nous l'avons, le champion de demain. C'est formidable pour le Grass Track, c'est formidable pour la France. Et je crois que ça va nous amener de nouvelles vocations. On l'a vu tout à l'heure dans le Français Junior, beaucoup de Français qui arrivent derrière. Je crois que ça va faire un déclic et c'est bon pour le Grass Track, c'est bon pour le Sud-Ouest. Et puis on rappellera que c'est une discipline très accessible en matière financière. Il n'y a pas besoin d'énormément de moyens financiers pour se lancer dans cette catégorie. Et on voit que le rêve est possible, le rêve est promis à tout le monde. Vas-y René. Oh, mais nous avons des poètes ce soir en plus, c'est sympa. Mais n'hésitez pas les mecs, si vous voulez vous mettre à poil, c'est vous qui voyez, je veux dire, c'est vous qui voyez. Allez-y les garçons, allez-y, au moins qu'on se marre un peu ce soir. Bon, les filles veulent se mettre à poil pour vous, c'est une bonne nouvelle, hein. Vous allez vous enrhumer les mecs. Bon, alors René Bonneville qui est là, qui s'installe et qui termine troisième. On va demander dans quelques secondes à nos amis de venir se relayer. Tony Kroger devrait terminer en seconde position. Tony, please, second place. Et on va demander à Monsieur Serre de la Banque Populaire Occitane. Voilà Tony, il fait très couleur locale avec sa canette à la main. Et la victoire, winner tonight, Louis Denham. Nous allons inviter le partenaire, voilà, qui vient de nous rejoindre d'ailleurs, qui est un fidèle également de cette cérémonie protocolaire, un peu plus tardif qu'à l'accoutumée pour des raisons directes. On commence par le troisième, si vous le voulez bien. Voilà, avec René, en présence de Jean-Pierre Mougin, le président de la Fédération française de motocyclisme. La seconde position, là-bas. Avant de récompenser le vainqueur, on va appeler le premier français, en l'occurrence l'Espinasse qui va venir nous rejoindre, s'il est là, voilà. Voilà Jérôme qui va venir nous rejoindre au titre de l'accessite du meilleur français. Et en l'occurrence, c'est l'entreprise de peinture Florent Comparin qui le récompense Jérôme. Applaudissements pour Jérôme, premier français. And the winner, le vainqueur. Allez, on va préparer la coupe du trophée alors que le club récompense la coupe du vainqueur. Oula, on est parti avec le receiver. Sans Jean-Pierre comme ça. Voilà. Et la coupe du vainqueur pour Louis Denham. Well done, boy!
qui débute, c'est sa première sortie internationale. Well done, Ulysse. You did a perfect race. Good start. Good smooth driving. It's a very good job. Right. We hope to see you next year, maybe in the World Championship. When is the World Championship? Next year? Maybe you wish. Voilà, il espère effectivement être au rendez-vous de l'année prochaine du championnat du monde. Mesdames et messieurs, le podium espoir! Thank you guys, merci. Merci pour les espoirs. Bon, les filles, vous les avez pas couvert de bisous, hein, je trouve. Hein. C'était un peu timide, hein, quand même. C'est vrai qu'ils sont impressionnants, ces gaillards. Athlétiques, musclés, tatoués et tout et tout. Alors, attention au championnat du monde, maintenant. Là, vous avez... C'est une nouvelle équipe. Il y a des rotations, il y a du turnover hein, sur les hôtesses. Elles arrivent, les filles. Oh là là, il a le diable au corps, celui-là. Ils ont le feu, nom de Dieu. Bon. Alors, on va demander à nos amis d'Hyper Champion, est-ce qu'ils sont là? Et les établissements Sellerie aussi. Ouais. Allez, classement de la journée, classement du Grand Prix de Marmande. Il y aura bien évidemment un podium du classement final du championnat du monde, overall, mais nous allons commencer par la journée. Elle me va bien, hein, la feuille que j'ai sous les yeux pour la journée. Je vous l'ai tout de suite. Hein. Troisième de ce classement général, Marmande 2007. Jonas Kilmacorfi. Flying Finn. Voilà Kilmacorfi. Third, qui va monter sur le podium. Ici même, qui était en position de conquérir le titre mondial. Deuxième position, un petit jeune qui débute. Il a progressé d'ailleurs, il est pas mal. Gerdris ! Please Gerd, join us, le voilà qui arrive. Entouré de nombreux gardes du corps, enfin c'est surtout ses potes hein, qui sont venus avec lui. A priori, voilà, on va retrouver Gerd dans quelques secondes. Le temps de... Ah, c'est un vrai pro, hein. Il ne veut pas venir torse-poil, le dossard, le sponsor, etc. Il est très très fort. Et je vous rappelle qu'il a fait une course tout à fait remarquable. Il a fait pratiquement que des courses exceptionnelles. Il a toutes gagnées, sauf une. Voilà Gerd Riss, que l'on retrouve. Et je vous laisse le soin d'annoncer le nom de famille du vainqueur, puisque je vais commencer par le prénom. Le vainqueur du jour, pour la première fois dans l'histoire du Grass Track à Marmande et en championnat du monde, s'appelle Mathieu. Mathieu Trésarieux, vainqueur du championnat du monde à Marmande. Et nous allons inviter maintenant la coupe du troisième. Les amis de chez... C'est la third place, yes. Third place. Voilà pour Kilmacorfi. Ok, second place. Voilà en récompense également avec les officiels de la Fédération Internationale. Et alors... Évidemment, c'est un Français qui récompense un autre Français. La coupe du vainqueur du président de la Fédération Française à Mathieu Trésarieux. Mathieu, j'ai une mauvaise nouvelle, il y a encore une coupe. Et le meilleur Français du jour, c'est Mathieu. Très sérieux, bien évidemment. Il va
d'avoir celle-là, tu peux la mettre dans l'autre. L'autre est tellement grande, tu mets une dans l'autre. Et nous allons... Alors, est-ce que nous avons les trophées pour le championnat du monde? Parce que... Ok, alors... Winza, please go down, because we... Overall World Championship ranking now. Et nous allons... inviter... Stay... Just back, stay back, please. Mesdames et messieurs, voilà. Et nous allons accueillir sur la troisième marche du classement final du championnat du monde 2007, à l'issue d'une course qui s'est, vous l'avez vu, terminée dans une relative confusion compte tenu du classement qui a nécessité la mise en place d'une manche de départage qui l'a même pas dominée, qui l'a écrasée de toute sa classe. Troisième, Mathieu. Mathieu Trésarieux. Troisième du classement final du championnat du monde récompensé. Encore une fois, j'ai cru qu'il allait lui faire la bise, le président, tellement il est heureux d'avoir un troisième. Deuxième position du classement général, final de la saison 2007. Second place, overall ranking, World Championship 2007, Jonas Kilmacoffi. Et mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le champion du monde 2007, qui est couronné, excusez du peu, pour la sixième fois, six fois champion du monde, Monsieur Gerd Ruys. Renzo Giannini, ancien président de la commission à la Fédération Internationale, la commission des courses de longue track, des courses sur piste, en particulier. Renzo qui parle un français absolument exceptionnel, qui parle français beaucoup mieux que nous l'italien, je vous le dis tout de suite. Renzo, un petit mot sur la qualité générale de l'épreuve, de l'événement, et puis sur la qualité de cette finale absolument incroyable. La qualité, c'est incroyable, vraiment. La piste fait beaucoup. C'est une piste très intéressante. C'est une piste qui donne beaucoup, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'excitation, beaucoup de overtaking, comme on dit en français. De dépassement. Et alors, je voudrais aussi dire merci à le public qui est resté ici. Plus de 10 000 personnes, hein, plus de 10 000 personnes. Et regardez là, la remise à... Ils sont là pour voir la dernière manche pour la troisième place qui a été gagnée par un petit français ici. Merci beaucoup. Il est trop classe, Renzo. Il est exceptionnel. Alors, évidemment, la coupe du meilleur français au championnat du monde. Allez, hop, encore une. Meilleur français au championnat du monde. National Hymn now, ok? Si vous le voulez bien, nous allons maintenant, sous réserve, parce qu'on n'a pas répété de ne pas faire une grosse boulette, nous allons écouter l'hymne national vainqueur dans quelques secondes. Merci de conserver toute la sonorité nécessaire.
demander à ces demoiselles d'offrir la traditionnelle boisson énergétique qui célèbre les victoires des sportifs. En tout cas, merci mesdemoiselles, vous avez été extrêmement efficaces. Et nous allons, si vous le voulez bien, nous donner rendez-vous, elles ont l'habitude aussi, hein, nous donner rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Marmande 2007, rendez-vous pour Marmande 2008 et que la fête continue. Et surtout, soyez très très prudents sur la route, c'est samedi soir, beaucoup de monde, beaucoup de contrôle. Gerbrid, champion du monde 2007, Jonas Kielmacorpi, vice-champion du monde, et pour la première fois dans l'histoire du grass track français, un tricolore sur le podium. Salut à toutes et à tous et à l'année prochaine. Mesdames et messieurs, son Altesse Sérénissime, numéro 9, Gendris. Meter from the fence, that is very very dangerous, and when you make one mistake, you have a big problem. Écoutez, Marmande, elle nous chute énorme d'ailleurs.